Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 23 octobre 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser STX aujourd'hui. Je remets en jeu DYDX contre Chili's, donc c'est à vous de décider. Pour l'analyse de demain, le commentaire qui viendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. On fait un petit point copy trading rapidement. On a eu 5 TP hier sur les algo LIM, plus 1 TP sur... un setup sur les contrats futurs, sur Solana, donc 2 TP sur Solana, 1 TP sur BGB BTC, 1 TP sur BGB ETH et 1 TP sur BGB, donc nos algos tournent pas mal sur BGB, et également 1 TP sur Sol USDT, mais cette fois-ci sur le PERP, donc les marchés futurs. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. En ce moment, il y a un événement qui va durer que quelques jours, qui vous permet de récupérer 20 USDT instantanément. C'est pas un bonus de trading cette fois-ci, c'est vraiment 20 USDT que vous pouvez retirer de la plateforme si vous le souhaitez. Donc vous cliquez sur le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu, et vous cliquez sur ce premier lien ici. Et vous avez juste à vous inscrire, donc à cliquer sur participer, à vous inscrire sur la plateforme. Donc ça, c'est la première étape, ça prend 30 secondes. Deuxième étape, de valider le KYC. Dans tous les cas, si vous voulez utiliser BitGet, vous serez obligé justement de valider votre KYC. Et troisième étape, c'est juste d'effectuer un premier trade de spot ou futures de n'importe quel montant. Donc c'est-à-dire, par exemple, si vous achetez du Bitcoin ou de l'Ethereum ou du Solana, peu importe, sur le spot et que vous voulez conserver, vous obtiendrez derrière en fait les 20 USDT. Et donc, cet événement, il est mis en place justement parce que BitGet s'est associé à la Liga. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, la Liga, c'est la ligue de football la plus connue du monde, hein, la ligue espagnole. Et c'est pour ça qu'ils ont mis cet événement en place. Alors, pour rejoindre le copy trading, une fois que vous êtes inscrit, etc., vous avez récupéré vos 20 USDT, si vous le souhaitez, je vous invite à le faire parce que c'est limité ça va durer que quelques jours. Vous avez juste à cliquer sur rejoindre copy trading, c'est le deuxième lien, vous remplissez le formulaire, prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre, l'identifiant BitGet il se trouve sur votre tableau de bord, vous ne pouvez pas le louper, et ensuite vous cliquez sur cette vidéo, configurez le copy trading, comme ça vous configurez le copy trading sur votre compte, et ensuite s'il vous plaît rejoignez le Discord, parce qu'il y a plein de nouvelles stratégies qui sont sorties depuis, je vous ferai bientôt une prochaine vidéo pour vous expliquer tout ça, mais vous avez toutes les mises à jour ici, stratégie intra, LIM, vous avez toutes les performances, les résultats journaliers, vous avez les canaux de discussion dans lesquels vous pouvez échanger, vous avez également les témoignages des copy trading des membres justement qui partagent leur screen de leurs gains, etc. Et qui font leur retour, donc vraiment n'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est super important et c'est 100% gratuit, il n'y a absolument rien à payer, que ce soit pour le copy trading, pour s'inscrire sur BitGet, pour rejoindre le Discord, tout est absolument gratuit. Alors du coup, pour revenir sur Bitcoin, on va d'abord regarder le graphique en horaire, ok. On voit qu'on est dans un range, qu'on est coincé entre le plus bas de mardi, slash lundi UTC-4, donc UTC hors de New York, lundi 20h heure de New York, et également on voit qu'on accumule beaucoup de stops au-dessus des 67 968 $, et on voit qu'on a le breaker juste au-dessus de notre tête. Également, on peut voir qu'on a la formation d'une imbalance baissière daily, et ça va être un bon point de repère. Est-ce que Bitcoin, ici, va se mettre à respecter les imbalances baissières? Ça va être intéressant si c'est le cas. Ça veut dire que Bitcoin va probablement faire un rebond pour aller faire un petit plus bas sous les 66 500 $. Et ensuite, son objectif, éventuellement, ce serait d'aller chercher le seuil médian de cette mèche aux alentours des 65 400. Et si jamais on ne rejette pas sur le seuil médian de cette mèche, on ira chercher l'imbalance qui a déclenché le breakout. Et pour moi, c'est la meilleure zone dans laquelle on peut trouver un dip, en fait. D'une part, parce que la dynamique est haussière, en tout cas de ce mouvement, pas la dynamique majeure. La dynamique majeure est toujours baissière, donc le Bitcoin ne vient pas breaker cette zone, parce qu'on enchaîne encore les sommets descendants. Mais je veux dire, en fait, au sein de cette dynamique, entre ce sommet et ce creux ici, on a ici une dynamique qui est haussière, comme ceci, vous voyez. Et donc, pour maintenir cette dynamique haussière, il faudrait faire un creux ascendant. Et rien de mieux que le breaker bullish précédent qu'on avait identifié. Et c'est cette imbalance ici qui a l'initiative de ce breaker. Donc pour moi, c'est la meilleure zone ici pour que le Bitcoin puisse former un creux ascendant et qu'on puisse aller chercher un plus haut derrière et essayer enfin d'aller s'occuper de la dernière trend line qui nous gêne, hein, qui est grosso modo celle-ci. Okay. Ici, on a ce qu'on appelle un sommet en High Resistance Liquidity Run. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, vous voyez, on n'a pas formé un sommet de cette manière où le prix... il a laissé pendant plusieurs jours des stops s'accumuler et ensuite on a le décalage du prix. Non, vous voyez, on a pris tous les stops avant. Cette mèche a été prise, cette mèche a été prise, cette mèche a été prise et là, la dernière bougie est baissière. Donc c'est ce qui augmente en théorie, de mon point de vue, les probabilités de se faire rejeter dans cette imbalance si on y vient, de prendre le sommet d'hier, donc le sommet de mardi,
de venir dans cette imbalance et éventuellement de rejeter. Pourquoi ? Parce qu'également, on a ce qu'on appelle un breaker bearish ici. Là, on a un breaker. Et on a une accumulation de zones de stop. Donc, c'est pour ça qu'il serait pas impossible qu'on soit dans consolidation, prise de stop, test du breaker, manipulation, puis expansion pour aller se diriger justement vers ce fameux niveau qui couvre l'imbalance daily sous les 64 700 $. Encore une fois, ce n'est pas obligé que ça arrive. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment de surveiller l'imbalance daily pour que ça soit rapide et qu'on aille vite péter la trend line et qu'on accélère. Bah, on aimerait en fait, j'en ai déjà parlé hier, hein, mais que Bitcoin réintègre ce breaker. Le truc, c'est que là, on a laissé l'imbalance daily se former. Donc, c'est pour ça que c'est une zone qui va être intéressante. Et va vraiment falloir surveiller le Bitcoin ici. Est-ce qu'il va nous rejeter ou non? Donc, en gros, dans la zone des 67 800, 68 000 $. On aimerait vraiment que le Bitcoin ne respecte pas cette imbalance baissière pour aller nous enchaîner sur un plus haut et puis qu'on ait enfin un breakout et qu'on puisse aller chercher plus haut derrière. Mais bon, là, pour l'instant, dans l'idée de ce qu'est en train de faire le prix, sachant qu'en plus de ça, il y avait une imbalance haussière ici, on a des chances quand même de se faire rejeter pour essayer d'aller légèrement plus bas, sans que ce soit très dramatique pour l'instant, encore une fois, je le rappelle. Également, ce qui est intéressant, c'est que Bitcoin va former une imbalance weekly, probablement la semaine prochaine, donc elle va se valider dimanche soir. Soit une imbalance, soit un immediate rebalance. Quoi qu'il en soit, c'est bullish. Enfin, ça dépend de la clôture, hein, bien sûr. Si on clôture comme ça cette semaine, qu'on a un gros décalage baissier, c'est pas fou. Mais dites-vous tout simplement que, imaginons, cette clôture weekly ressemble à ça. Bah, dites-vous que la semaine prochaine, il y aura de grandes chances, en fait, de faire comme on a fait par le passé. Vous voyez, on avait cette imbalance haussière, qu'on forme une nouvelle imbalance comme ça, et qu'en gros, la semaine prochaine, Bitcoin vienne dans l'imbalance, qu'il puisse rebondir, et que la semaine du 4 novembre, la semaine des élections américaines, on ait le short quiz. Okay, quelque chose comme ça. Donc là, une semaine baissière, éventuellement. La semaine prochaine, qui fait un piège en prenant le plus bas de la semaine actuelle, qui sera la semaine précédente, parce qu'on sera la semaine prochaine, il faut suivre. Hein. La semaine prochaine, notre semaine actuellement, ce sera la semaine précédente. Nous, c'est la semaine qu'on est en train de vivre. Mais grosso modo, on prend son plus bas, on va dans l'imbalance, on rebondit, et ensuite, la semaine des élections, pourquoi pas faire le breakout. Okay, je dis bien éventuellement, parce que pour l'instant, le flux en weekly est haussier également ici. Ce sur quoi il faut se méfier, c'est que ça, c'était le dernier sommet descendant. Et la question, c'est est-ce qu'on est encore en train de faire un sommet descendant ici? Et Bitcoin va prendre à contre-pied tout le monde. Par exemple, alors où est-ce qu'il est le canal, parallèle channel? Mais est-ce que, par exemple, on va revenir faire un tour là, hop, éventuellement dans le bas du canal? J'en sais rien. Je ne dis pas que ça va arriver, mais c'est un scénario qui n'est pas impossible. Ok, qu'on fasse mumuse encore une fois dans ce canal pendant longtemps. Après, bon, la saisonnalité favorite du Bitcoin, c'est quand même fin d'année, octobre, novembre, décembre, c'est souvent chaud sur Bitcoin. Pour moi, tant que Bitcoin ne perd pas d'imbalance weekly, donc là, la prochaine qui va se former, honnêtement, je pense qu'on n'a pas trop à s'inquiéter. Maintenant, le jour où Bitcoin, il forme une imbalance weekly, donc imaginons là, la semaine prochaine, bam, ça se forme et on l'enfonce. Là, je pense qu'on peut se dire merde et se dire, ok, bon, il y a des chances d'aller sous 58 000, voire même d'aller plus bas. Et donc là, ce ne sera plus du tout le même game. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Donc pour résumer, on se concentre sur l'imbalance daily, ok, au-dessus de notre tête, donc au-dessus du sommet d'aujourd'hui, qui couvre un breaker horaire et qui couvre en gros une consolidation. Et en fait, il faut se dire qu'il y a de grandes chances que le prix, avant de prendre une future direction, donc qu'elle soit haussière ou baissière, on va nettoyer les stops. Alors, soit on va faire ça, tac, 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 ok, pour prendre à contre-pied. Soit on va faire ça. Et la zone que, enfin, comment dirais-je, la zone de stop que va déclencher en premier le marché, ça va être intéressant pour voir justement quelle sera la vraie direction. Si c'est une direction haussière, il y a de grandes chances que d'abord on vienne ici. Et là, en fait, on veut voir de la force. On veut voir un décalage, on veut voir de l'imbalance se former pour que Bitcoin nous dise, ok, il y a eu la prise de stop, il y a le décalage du prix, on peut push derrière. Si c'est pas le cas, qu'on vient d'abord ici et que là il y a le décalage à la baisse, bon bah là on sera fixé sur ok, on est venu prendre les stops avant, on est venu prendre le sommet de la veille, on se fait rejeter dans l'imbalance daily, il y a tout pour aller chercher un plus bas, sous le plus bas de mardi, donc sous les 66 580. Pourquoi je vous dis qu'il faut également surveiller, parce que là en fait on peut être dans le concept de power of three, donc consolidation, manipulation, expansion. Pourquoi je vous dis qu'il faut surveiller la prise de plus bas ici éventuellement avant d'aller cassé dans l'autre sens, parce que n'oubliez pas qu'on est également dans une imbalance en échelle 3 jours, ici. Hop, vous voyez? Et grosso modo, bah, ce serait pas anodin que finalement le Bitcoin, ils se disent, ok, bon bah moi, je décide de maintenir cette imbalance,
ici. On voit qu'elle a été comblée parfaitement. Ça, encore une fois, c'est pas aléatoire. Hein. Pour moi, c'est du travail algorithmique ici. Et que du coup, bah, ça nous offre en fait, là en horaire, une dernière prise de stop sans casser l'imbalance 3 jours, mais qu'en gros, on la maintienne et qu'ensuite le marché voilà, part dans l'autre sens. Donc c'est pour ça que je surveille également ce scénario. Et pour moi, la prise de stop du lot de mardi ou du sommet justement de mardi, parce que là, on est dans, bloqué un petit peu dans ce candle range, ça va être intéressant justement de voir un petit peu. Oui, ça c'est notre candle range ici, on est bloqué là-dedans. Ça va être intéressant de voir quel coin va être pris en premier. Est-ce que ce sera le sommet, est-ce que ce sera le creux, voilà. Pour moi, ça en dira beaucoup sur la direction du prix. Par exemple, hein, si vous voyez ça, je vous donne un exemple tout con, mais si vous voyez ça et que le prix ne réagit pas, ça aussi c'est valide pour une continuation baissière. Par exemple, si vous voyez ça, ça aussi c'est valide pour une continuation haussière. Par contre, si vous voyez ça, tac, ça c'est pas bon. Et si vous voyez ça, ça c'est pas bon, c'est pas bon pour une baisse, je veux dire. Et si vous voyez ça, ça c'est bon pour une hausse. Ok. Pas plus de choses à dire, on va sur ETH et ETH, ça commence peut-être à valider une réintégration, ce qui indiquerait qu'ici on a eu un fake out et un piège. Et ce qu'on attend de voir, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on va former une imbalance baissière? C'est pas ce qu'on voudrait voir après une prise de stop, on veut pas voir des réactions comme celle-ci. Donc là, je vais la tracer, mais elle n'est pas validée, hein. La journée d'aujourd'hui n'est pas terminée. Mais si on forme une imbalance baissière, ça serait pas forcément top, ou un immediate rebalance, ça pourrait confirmer en fait que c'était un piège. Fake out, réintégration, et on prend un contre-pied. Et à ce moment-là, l'objectif du prix, ce sera d'aller chercher l'imbalance daily au niveau des 2535 $, 2483 $, voire de revenir chercher en fait le bas de cette contraction. Et la question, c'est de se dire, ok, est-ce qu'on est en train de vivre consolidation, manipulation, expansion? Si c'est le cas, bon, on se donnera rendez-vous sous les 2067 $. Mais pour moi, c'est Bitcoin qui va nous indiquer tout ça. Et voilà. Mais dans l'idée, là, c'est de se dire que tant que le Bitcoin, tant que Ethereum, pardon, ne ressort pas de cette contraction, on a des chances hein, d'aller refaire Mumus sur le bas de la contraction au niveau des 2390 $. C'est pas impossible, ok? C'est pas impossible. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été piégés sur ce break. Et si Ether dessine de l'imbalance daily, ça va pas être au top. Parce qu'on risque en fait de pullback dedans et d'essayer de push un petit peu plus bas. Quoi qu'il en soit, c'est pas la fin du monde. De toute façon, Ethereum est en train de consolider. Et très souvent, les consolidations, ça se finit par un mouvement qui est assez brutal. Moi, ce que j'appelle le check-out, où on secoue les gens. Et c'est la phase, en fait, d'une expansion, enfin, d'une manipulation. Dans le concept consolidation, manipulation, expansion. Donc, si c'est une manipulation à la baisse, ce serait très positif. Ça pourrait indiquer que l'expansion derrière va être haussière. Okay, donc, si jamais au cours des prochaines semaines, Ether se prend une claque, dites-vous que ça risque d'être un mouvement de manipulation pour prendre à contre-pied derrière. Okay, un peu comme ici. Voyez, manipulation, bam, l'expansion. C'est le genre de mouvement auquel on pourrait s'attendre, si jamais ça arrive. J'ai pas plus de choses à dire honnêtement. Pour moi, en horaire, il n'y a pas grand-chose. Hier, on parlait de cette imbalance baissière, là. Et je peux même prendre celle-ci. Je vous ai pris les deux, mais bon, celle-ci a fait le job. Elle nous a repoussé. Nouvelle imbalance baissière. Regardez comment c'est précis. Tac. On y revient. Le bit Ether respecte ça. Enchaîne les plus bas. Voilà. Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de cassure d'imbalance baissière, ce mouvement reste baissier. OK. Et l'objectif du prix, c'est d'aller taguer ce qu'on appelle les sell stops. Hein. Donc, pour moi, il y a une prochaine zone évidente à 2573. Mais il faut voir déjà comment réagit le prix sur cette prise de stop. Pour l'instant, il y a un petit rebond, mais pas de quoi encore d'inverser le mouvement. Après, on n'est pas sur des horaires dingues, on est à 1h du matin. Souvent, c'est surtout autour de la session de Londres, voire la session US, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Mais pour l'instant, en tout cas, ce flux ici est toujours baissier. Le flux là qu'on a déclenché depuis le tag des 2700 $, les 2727 qui était une zone de buy stop. Vous voyez, on a la reprise d'un flux qui est baissier pour l'instant. Ce flux est toujours baissier ici. Et on pourrait essayer d'aller chercher l'imbalance daily sous les 2535 $. J'ai fini et on finit avec STX. Et dans la semaine, on fera un point sur le dollar et Nasdaq. Alors, concernant STX. Bon, première des choses, on regarde où on est. Donc, on prend notre bottom de bear market. OK. On trace notre FIB. Et on va également prendre le bottom ultime. Ou là, je prends le bottom hein, enregistré sur STX en mars 2020 pendant le Covid. Et pareil, je prends mon petit FIB, je vais le mettre ici, sinon ça va être un peu compliqué pour la lecture. Et on voit qu'on est venu chercher la zone de rechargement long terme, ok, ici. Donc je vous trace ça. Donc c'est une zone dans laquelle c'est assez safe, mais
c'est assez intéressant de commencer à accumuler en fait. Et souvent les gros poissons vont accumuler ici. Et puis on voit également qu'on est venu chercher la zone de rechargement du dernier mouvement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais garder la zone de rechargement du dernier mouvement, sinon ça surcharge la charte. Donc on est venu dans une bonne localisation où les pros vont éviter d'acheter quand c'est vertical comme ça et vont commencer à racheter dans ces zones de prix. Maintenant, on regarde en mensuel et on regarde où est-ce qu'on est venu. Alors, on voit justement que STX comble ses imbalances. Ici, il y avait une imbalance vectorielle qu'on est venu combler et ça a été une zone d'accumulation. Ici, plutôt intéressant, vous voyez, avant un prochain rallye. Et en fait, on a laissé derrière nous, pareil, encore des imbalances qui ont été comblées. Et là, on voit qu'il y avait toute cette imbalance ici qui a été partiellement comblée. On n'est pas obligé de les combler, mais déjà, c'est bien d'avoir fait une petite mèche dedans. Donc ça, c'est une localisation qui est quand même plutôt intéressante ici. Cette mèche dans cette imbalance, c'était plutôt cool. Par exemple, sous les 1,19, ça pouvait s'acheter sans trop de soucis. Maintenant, cette imbalance, ça nous a permis d'initier un rebond, mais pas de reprendre beaucoup de force ici en mensuel. Après, bon, si on cherche un peu, il y a encore de l'imbalance ici, entre 50 centimes et 56, ça ne veut pas dire qu'on va y aller, bien évidemment. Mais bon, si vous gardez du cash pour cette zone, si un jour on y revient, bah, vous serez bien content de pouvoir acheter à ces prix-là. Maintenant, au niveau de la dynamique du prix, alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on a ce qu'on appelle un order block ici qui s'est formé. Et pour l'instant, bah, on n'arrive pas à former de breaker. On voit que STX, voyez comment il le respecte. C'est ici un order block en High Resistance Liquidity Run, ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a pris tous les stops derrière nous. Vous voyez, ce n'est pas le cas ici. Là, STX, il est en train d'accumuler 1, 2, 3, 4 semaines. 1, 2, 3, 4 semaines où il n'y a pas eu de prise de stop. Donc là, c'est bien en fait. On sait qu'on est en train de construire pour le futur, pour de gros poissons, une zone de TP ici. On sait qu'il y aura des chances d'y revenir. Okay. Maintenant, le fait d'avoir pris une zone de stop d'une High Resistance Liquidity Run et de faire un rejet, ça, c'est pas super positif. Donc, on passe en daily. Et on voit que en daily, STX, en fait, il est en train de former du sommet descendant et qu'il y a eu l'irrespect d'une imbalance haussière ici. Vous voyez ? Qu'on a brisé, qu'on a regagné, etc. Donc on est encore en train de travailler cette imbalance, mais que derrière on a ce qu'on appelle un immediate rebalance, ici, et que pour l'instant cet immediate rebalance, il est en train de tenir. Et moi ce que j'aime bien, c'est comparer Bitcoin aux altcoins. Et là, on voit que STX est plus faible que Bitcoin. Donc Bitcoin est en train de dumper un petit peu, STX est plus faible que lui, c'est pas top pour STX, ok ? Ce que j'aime bien faire, et je vous invite à faire de même, c'est d'identifier, ça c'est très très puissant, et je le dirai qu'une fois dans ce brief, donc retenez bien, ce sont les divergences entre deux actifs, donc là entre Bitcoin et Altcoin. Par exemple, on a un indice qui a été fait par le tech lead du trône qui gère le copy trading, etc., tout ce qui est le côté technique, et je le remercie énormément, qui nous a fait un petit asset qui compare, et c'est pas juste on les met sur la même charte, non, là on compare leurs forces entre eux, ça c'est dingue. Et ce qu'on a identifié avec les élèves depuis plusieurs jours, c'est une divergence entre Bitcoin et les assets qui étaient forts. Bitcoin, vous avez Bitcoin ici, et là vous avez plein de cryptos, Sui, Tao, etc., qui a été très fort récemment. Et on voit qu'ils ont commencé à diverger, on voit qu'ils ont commencé à baisser alors que Bitcoin était en train de monter. Ça pour nous c'est un red flag. Quand un altcoin commence à diverger face au Bitcoin, c'est qu'il devient plus faible que lui, et du coup quand Bitcoin dump, bah, il accélère sa chute, et là c'est ce qui est en train de se passer sur Tao, sur Sui, sur FTM, sur Aptos, etc. etc. Il y a d'autres crypto-monnaies comme WIF ici par exemple, qui également ont commencé à diverger fort, beaucoup d'altcoins, donc c'est pour ça qu'on a identifié une faiblesse sur les altcoins, et justement on s'attendait éventuellement à un retracement sur beaucoup d'assets au vu de ces divergences. Et en fait STX c'est exactement la même chose, et donc là je vais ajouter Bitcoin pour vous le montrer. Hop, on fait ça, on fait New Price Scale, ok. Et ici, vous voyez, là, on a... Alors, là, je vais faire clic droit, Pin to New Right Scale, ici, hop. Je vais le baisser comme ça. Et là, vous voyez, donc là, on a STX et là, on a Bitcoin en violet. Regardez ce qui se passe. Bitcoin monte, STX chute. Ça, c'est une divergence. C'est-à-dire que là, on a de grandes chances d'avoir trouvé un sommet descendant qui ira chercher un nouveau plus bas, sous les 1,53$, ok. C'est pas obligatoire, parce que là, Bitcoin peut très bien partir en breakout et STX pourrait suivre. Mais tant que Bitcoin n'arrive pas à s'affranchir des 70K, si jamais il retrace un petit peu dans les 64 000, etc., donc l'imbalance daily qu'on a vu, il faut s'attendre à ce qu'on ait un dip sur STX et probablement à ce qu'on ait une prise de stop sous les 1,50$. Également, alors ça je peux retirer, également ce qui n'est pas top ici sur STX, c'est le fait d'avoir pris les stops ici. Parce que pour l'instant, ça, c'est un peu considéré comme notre range. Le dernier sommet descendant de STX, qui est venu offrir un plus bas ici, c'est ce sommet. Et là, ce sommet, on a pris
C'est stop. OK. Donc là, on a un point d'intérêt sous les 1,53$, ce qu'on appelle une sell side liquidity ici. Et grosso modo, bah, vu que les stops ont été pris au nord, rien n'empêche malheureusement STX, peut-être, alors je ne dis pas que ça va arriver, honnêtement, et je ne pense pas trop que ça va arriver, mais sait-on jamais, qu'on soit dans ce qu'on appelle consolidation, et là on le voit, ou si le W8CLI ici connaît une réintégration, qu'on soit dans consolidation, manipulation, expansion. Je vous remets les couleurs pour que vous puissiez bien comprendre, mais ça c'était notre consolidation, ça c'est la manipulation, donc c'est la prise de stop en dehors du range, et ensuite malheureusement l'expansion qui souvent fait des dégâts et qui va chercher du coup plus bas, et qui va souvent chercher la base de la consolidation, donc là ce serait sous les 1,05$. Quoi qu'il en soit, si on vous propose du STX à 1,05$ et que vous avez des convictions, moi, je trouve que c'est intéressant. Également, souvent les altcoins vont retracer à 88,6$, donc là c'est à peu près les 62 centimes. Je dis pas que ça va arriver, encore une fois, j'en sais strictement rien, mais moi ce que je trouve important, c'est de garder du cash en fait sur un investissement, et puis si jamais pour X ou Y raison, il y a un dip qui vous est offert, faut pas paniquer, il faut en profiter, parce que c'est encore des prix qui sont meilleurs, vous avez encore plus de STX pour, par exemple, si vous comptiez investir 100$, à 1,79$, t'as pas 100 STX, on a peut-être un peu plus de 50, on va dire entre 50 et 60. Là, s'il va, je sais pas, à 1$, bah, tu pourras en acheter 100, donc on aura plus pour ton argent. C'est ça que je vais expliquer. Okay? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour vraiment avoir une accélération, il faut que cet order block devienne breaker. En fait, si vous voulez que STX il se mette à accélérer fortement, on veut qu'il y ait un breaker ici, on veut s'affranchir de cet order block. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Et tant que ce ne sera pas le cas, il faudra faire attention et se dire que éventuellement, bah, en fait, on peut avoir matérialisé une prise de stop sur un haut de range et qu'on pourrait revenir au moins vers le bas du range, vers ces cordes de chandelle, vers les 1,30$, ce qui ne serait pas la fin du monde. Hein. Ce n'est pas un dump gigantesque, 25%. Sur les alts, c'est basique. Le truc, il a rebondi de 100%. Il peut très bien retracer encore de 30-40. Ce n'est pas un problème depuis son sommet. Mais voilà, vous voulez voir le breaker. Tant qu'il n'y a pas le breaker de cette bougie ici, attendez-vous à rien sur STX, à part soit une manipulation, enfin une expansion pour aller chercher les stops, ou une poursuite de la consolidation jusqu'au breaker qui là vous redéclenchera quelque chose de bullish. Maintenant, on va voir les objectifs haussiers. Okay ici, on va voir les objectifs haussiers. Alors, imaginons que le bottom se soit posé là. Je vais tracer une extension, 161,8 de 100%, ici. On aurait pour objectif les premiers objectifs 4,60$, deuxième objectif entre 5,56$ et 6,62$. Et je vais même vous donner un autre objectif qui est l'extension de ce mouvement. Vous voyez? Donc là, on s'arrêtait légèrement avant 1,272$. En fait, on est venu prendre les stops du sommet de 2021 et on s'est retourné. Ici, imbalance baissière, la toute petite respect d'imbalance baissière, continuation baissière. Et pareil, cet objectif tient toujours éventuellement. Je vais vous donner un autre objectif aussi, l'extension de tout ce mouvement. Donc là, ce sont des objectifs mathématiques. Ça ne veut pas dire que le prix va aller chercher ces objectifs. Ok, je tiens à le préciser. Ce sont des objectifs mathématiques. On aurait 6,12$, 7,40$. Donc ça tombe plutôt au niveau des, voilà, pour être transparent, on va dire autour des 5$ à peu près 7,40$. On peut avoir d'autres objectifs également. Ça, c'est un truc qui est fun à faire. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va y aller. Mais essayer de trouver des petits sommets qui se relient pour se dire, bon, bah éventuellement, un jour, ces sommets, on pourrait y revenir. Donc là, ça serait dans ces zones d'extension. Donc c'est bon, ça rajoute une confluence. C'est cool. Autre objectif, c'est de se dire que là, il y a eu une grosse structure qui s'est formée. Et que du coup, on peut calculer par des objectifs mathématiques. Vous voyez, on est venu chercher 3,14, le chiffre pi de toute cette structure. Là, 1,914, 3,14. Si jamais un jour on push plus haut, ce sera entre 5,08 et 6,28. Et pareil, ça tape dans la même zone. Donc on voit vite que si STX fait un nouvel ATH, on a beaucoup de confluence mathématique entre 5,20 et 7,46. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais en tout cas, il y a des raisons mathématiques pour des algorithmes, des traders, peu importe, de prendre des profits ici en suivant des suites avec le chiffre pi ou des suites de Fibonacci, etc., etc. Qui, encore une fois, sont basées sur... Voilà, si vous connaissez Fibonacci, je pense que vous savez qu'on le retrouve un petit peu partout. C'est un petit peu le glitch de l'univers, si je puis dire. Également, cette structure haussière, si jamais, voilà, pareil, elle nous donne les mêmes objectifs. Donc, on a un gros cluster ici. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais si, voilà, quand on redeviendra bullish, on peut éventuellement y aller. Et je vous donne également un autre objectif. Alors ça, c'est vraiment s'il y a un gros bull run, qu'on est en train de faire une énorme structure haussière comme ça. À ce moment-là, je prends le plus bas, je prends le plus haut ici, et là, on part sur des extensions beaucoup plus fortes. Donc 1,914 qui tape encore une fois dans les mêmes objectifs. Donc là, mathématiquement, franchement, je vous le dis, il y a des raisons de prendre des profits. Ensuite, chiffre pi 1,60 si ça part en gros bull run. Et ensuite, 5,08, 6,28, il y a de grandes chances qu'on n'aille pas bien plus haut que ça.
donc entre 18$ et 23$. Ça fait quand même beaucoup. Et voilà, donc ça, c'est un peu tous les objectifs mathématiques que vous avez. Donc, dans l'idée, c'est de se dire que STX, à chaque fois, il fait quoi? Et je m'arrêterai ici pour aujourd'hui. Consolidation, pump. OK. Bon, là, il y a eu un piège. Consolidation, pump. Donc, on attendra une prochaine consolidation. C'est ce qu'on est en train d'avoir pour avoir un pump, un dump, une prochaine consolidation, etc. etc. Donc, c'est beaucoup mieux d'acheter dans la consolidation que d'acheter ici au top, bien évidemment. OK. L'objectif, c'est d'acheter quand la volatilité baisse. Et d'un coup, quand ça repart comme ça, de prendre ses profits sur la montée, etc. etc. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle que vous avez tous les liens en commentaire épinglé, la formation, les 20 USDT récupérés, dépêchez-vous parce que ça ne va pas rester comme ça longtemps. Le copy training 100% gratuitement qui exécute les ordres sur votre compte sans rien faire. Une fois que c'est exécuté, vous n'avez absolument rien à faire. Vous avez également la formation gratuite pour préparer votre bull run et le VIP. Vous avez également la possibilité de rejoindre l'école et de vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, d'avoir accès à la formation de l'école, aux exercices, aux examens, aux quiz, à un accès pédagogique sur le Discord pour poser toutes vos questions à moi-même, aux professeurs, aux élèves avancés pour trouver les réponses à vos questions. Ça commence à partir de seulement 49€ par mois, c'est sans engagement, et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées si vous voulez un abonnement plus long terme et payer moins cher au lieu de payer les mensualités tous les mois. Vous avez tout le descriptif de l'école ici, une petite vidéo qui vous présente le contenu de l'école. Vous avez également tous les témoignages des élèves directement sur cette page que vous pouvez lire. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous serez bien accueillis. Je m'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouve demain. Ciao ciao.